Nous sommes un collectif de citoyens, d'acteurs locaux. De structures d'insertion par l'activité économique. Regroupées en associations. Dit le pôle ressourcerie du Chablais. Ce collectif a pour vocation la collecte en déchetterie. Le tri, le recyclage. La revalorisation. La consommation responsable. Le retour à l'emploi de publics en difficulté. Dans ce pôle ressourcerie sera intégré un tiers-lieu. Pour créer du lien social autour des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et des enjeux liés à l'environnement. Développer le faire ensemble. La coopération, les échanges de compétences. Favoriser l'émancipation citoyenne. Lutter contre la fracture numérique et l'isolement social. Des ateliers collaboratifs, par exemple couture, menuiserie, réparation. Atelier vélo, un Fab Lab. Des ateliers numériques, des ateliers de jardinage. Des salles d'échange et de formation. Un lieu de petite restauration. Une bricothèque, une bibliothèque. Et un espace ressources. Le tiers-lieu est ouvert à tous. Aux associations, aux collectivités. Aux citoyens, aux entreprises, aux écoles. Il est ouvert à un public averti, mais aussi à toute personne soucieuse de s'informer et de découvrir l'ensemble des activités qui sont proposées. Le Repair Café Chablais est un lieu où l'on vient réparer ses objets et surtout apprendre à les réparer. C'est un lieu de convivialité et d'entraide. Le Repair Café est une des associations fondatrices et dès le départ, nous avons proposé d'intégrer un tiers-lieu afin de donner vie et renforcer la dynamique de partage. Le Fab Lab est un tiers-lieu qui a été créé en 2015, qui a toujours été sensible aux enjeux environnementaux, qui a essayé de sensibiliser aux problèmes grandissants des déchets électroniques notamment. Donc quand le projet de pôle ressourcerie pour le Chablais a été créé, on y a participé naturellement pour amener des outils innovants au service de toute la population et également défendre les valeurs qui sont celles du Fab Lab, qui sont d'apprendre, partager et créer. Ce tiers-lieu est un lieu de sensibilisation, d'action à impact environnemental et d'implication citoyenne dans la politique de nos territoires. Accompagné par l'ADEME, il participe activement à la transition écologique et solidaire au niveau local. Bienvenue.